Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec une recette surprenante. Ce brownie au chocolat a été fait avec deux ingrédients seulement. Il vous faut seulement des œufs et de la pâte à tartiner. C'est facultatif et moi j'ai ajouté un peu de pistache concassée pour un peu de croquant. Ce brownie a été apprécié par la plupart de mes abonnés sur Instagram. Alors pour les ingrédients, il vous faut 300 g de pâte à tartiner, 4 œufs, des pistaches concassées, mais c'est facultatif. Alors, dans un saladier, cassez vos œufs. Fouettez vos œufs avec un fouet électrique jusqu'à ce que le mélange blanchisse et double de volume. Faites chauffer la pâte à tartiner pendant quelques secondes au micro-ondes, puis incorporez-la aux œufs fouettés. Puis mélangez doucement à la spatule. Incorporez les pistaches concassées, mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Versez votre pâte dans un moule rectangulaire. Alors, c'est un moule de 20 cm sur 14 cm, préalablement beurré. Puis enfournez à 170 degrés pendant 35 minutes. Mais vérifiez quand même la cuisson avec la lame du couteau. Il faut qu'elle ressorte humide. Voici le résultat du brownie au chocolat une fois cuit. Laissez-le refroidir complètement et mettez-le au frigo pendant 30 minutes. Voilà le résultat du brownie au chocolat avec deux ingrédients seulement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Puis j'espère vous retrouver à très vite dans une prochaine vidéo.